Pensée du jour, mon daron, il me met la pression à mort. Il a entendu les klaxons dehors, il a dit « Eh, hein ? Les gens se marient, hein ?» Il y a eu un silence, il m'a dit « T'as entendu ce que j'ai dit ? Il y a des gens qui se marient !» Je voulais savoir un peu dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ou des gens qui veulent se marier ou il y en a qui regrettent d'être mariés ? Moi, je suis marié, je suis heureux, c'est vraiment été le plus beau jour de ma vie, hein, de mon mariage. Et ça n'a rien à voir le fait que je ne paye pas mon loyer ou ma nourriture, je ne paye rien, hein, c'est vraiment parce que je l'aime, je suis amoureux, mais je lui fais un enfant. Comme ça, un peu, on valide la chose, comme ça, elle réfléchit un peu plus avant de me quitter si un jour elle a envie de me quitter, tu vois. Pas con, le mec, tu vois. C'est plus facile hein, de déchirer un papier pour le divorce que de déchirer un enfant. C'est le décalo ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien dans le chat. Le décaloteur, le décalo, je suis là un peu hein, pour faire beau. Salut mes énormes fouillasses bien dodues, est-ce que vous allez bien dans le chat? C'est moi Jean-Louis Berchard, dit le décalo. Je suis là pour décaloter ta vie amoureuse avec des conseils aussi utiles que la vie de Marlène Schiappa sur la politique. Autant te dire que je suis un peu dans la merde. Pourquoi je suis un spécialiste de l'amour? Car j'ai fait un don de sperme dans la région de la Creuse et depuis ils ont doublé, voire tripler le nombre d'habitants en 2 ans. Maintenant, ils sont 4. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais vous donner le top 3 des phrases à dire quand tu n'as pas baissé la cuvette des toilettes quand t'as fait pipi. Alors ça, c'est important. Attention à vous. Hein. Top 3 des phrases qu'il faut dire quand t'as pas baissé la cuvette des toilettes. Ok hein. Alors écoute, Géraldine, j'ai pas envie de l'user, la cuvette des toilettes. Je descends, je remonte, ça l'use. C'est un peu comme mon déo. J'y touche pas parce que j'ai pas envie de l'utiliser, tout simplement. Ah, voilà. Voilà, je t'explique. Voilà, Vincent, c'est comme ça que tu vas te trouver. C'est comme ça que tu trouves une. Allez, top 2 des réponses qu'il faut dire quand t'as pas baissé la cuvette des toilettes. Ah, mais je peux pas la baisser, la toilette. Je me suis fait les ligaments, là. Et du coup, ça m'a gâché les moments aux toilettes. Je peux plus m'asseoir pour faire ma petite commission, hein. Et putain, ça m'a cassé ma carrière de footballeur à Sedan. J'en peux plus. C'est les ligaments, écoute. Top 1 des raisons dans lesquelles on peut pas baisser la cuvette des toilettes. Hein, quand tu veux pas baisser la cuvette. Je pouvais pas la lever ou la baisser. T'étais dessus. Et voilà. Et je pouvais pas bouger. Donc j'ai fait mon truc. Voilà. Allez, je vous laisse. Je pars en soirée dancing. On va tous se serrer dans la boîte. Et quand je parle de boîte, c'est mon cul. À bientôt. Reprise du sport. Comment s'éviter une tendinite? Eh ben, c'est simple. Il faut vite arrêter de faire du sport. C'est vraiment la seule solution. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, se joindra au premier voyage de tourisme spatial, le Blue Origin, le 20 juillet. Les patrons américains, ils sont forts, ils envoient du lourd. Hein, parce que nous, les patrons français, le truc un peu foufou qu'ils font, c'est de faire le tour de la Creuse en montgolfière. Bon, voilà. Et d'ailleurs, on a l'interview de Pesquet qui est content d'accueillir Jeff Bezos. Attention, effets spéciaux. Oui, nous sommes... Alors, je ne respire dans l'espace que grâce à ma casquette Great America Great Again. Merci. Ça va, il a la thune, le patron. Exactement, il a la thune. Alors, salut, c'est moi, Pesquet. C'est le représentant de la France, le futur président de la France. Voilà. Alors, on est hyper content ici d'accueillir Jeff, voilà, qui vient ici. Il est le bienvenu. On a prévu des trucs un peu de foufou pour l'accueillir. Alors, ça sera banga illimité pour tout le monde. Ration de survie, goût chips, barbecue. Ça nous fait plaisir. Hein. C'est des petits liquides comme ça qui ont des goûts de chips barbecue. Et on va lancer quelques queuleuleux, même si dans l'espace, c'est un peu galère à cause de la pesanteur. On va s'appuyer sur un rebord, comme ça, on va sauter. Ça va être pas mal, ça va être la top. Vont écouter bien sûr du Patrick Sébastien parce que Jeff, il a beau être américain, il adore la bonne musique. J'espère qu'il est prêt hein, parce que nous, on est à fond dans le vaisseau hein, avec lui pour qu'il vienne. On est content. En plus, on a prévu de faire un petit cadeau très sympathique pour Jeff avec ce qu'on a sous la main, bien sûr. Donc, on lui a fait une belle statue en caca. Voilà. Une toile de Monet estimée à 1 million d'euros ne trouve pas d'acquéreur lors d'une vente. Une toile de 74 cm peinte en février 1882 par l'artiste lors d'un séjour en Normandie. Comme c'est dur, hein, ça serait de la faute de la pandémie que les Anglais, les Américains, les Chinois achètent plus de merde. Apparemment, ils peuvent plus se déplacer pour venir acheter des vieilles toiles ou des vieilles photos, des vieilles peintures de Dieppe en 1882. C'est vraiment dommage parce que vraiment, on a envie d'acheter ça. Franchement, moi, je suis blindé. Français, j'achèterais pas un tableau représentant une vieille ville genre Manchester en 1882. Hein. C'est marrant d'arriver à vendre des merdes comme ça. Moi, je prends le commissaire priseur pour vendre des trucs qu'on n'arrive pas à en vendre. Hein. Par exemple, le Havre ou la Bretagne. Franchement, lui, c'est notre champion.
L'étonnant point commun entre les testicules et le cerveau, apparemment, pour Jean-Marie Bégard, ça va plus loin dans le lien entre le cerveau et les testicules, c'est qu'il a inversé le cerveau et les testicules, et donc du coup, ne dites pas, il dit plus, vous me cassez les couilles, mais vous me cassez le cerveau. Pour finir, le coronavirus avec la charité, comment gérer les masques et le gel hydroalcoolique? C'est très simple, tu fous ton masque sur la gueule et tu fermes ta gueule, bien sûr. Moi je vais à Leroy Merlin pour acheter du bois, mais aussi bien sûr de la colle à bois. Je fais une cabane à fond de mon jardin pour cacher les enfants. Ouais, c'est Leroy Merlin. Tu as du mal à te réveiller, donc mets-toi devant ton PC. Le matinal, une émission qui rentrera dans les annales.